le sujet de Malia est clos dans cette maison. Épouse une fille du village. Les filles du village sont fortes, belles et même fertiles. Ça fait 2 jours que j'appelle Armani. Il ne décroche pas. Même un simple message pour expliquer son attitude, rien. Oui, c'était juste pour te faire comprendre que apparemment, il ne se sent pas bien. Hein. Depuis un certain temps-là, ça ne va pas. Ok. Malia malade. Donc, un appel de ta part, là, va vraiment lui faire plaisir. Écoute, Malia. Ça n'a rien à voir avec le fait que je t'aime ou pas. Et tu sais très bien à quel point je t'aime. C'est donc quoi le problème? Si tu épouses Malia, quand je vais mourir, ne mets pas tes pieds. Écoute, Sarah, je ne suis pas dans les très bonnes prédispositions pour le faire. Une autre fois, peut-être, s'il te plaît. Tchitchelé. Et la porte est fermée. Mais ça va être la chaleur là, maman. C'est quoi? La fenêtre est fermée. C'est quoi? C'est quand tu vois la nerveuse comme ça là. Chaque jour, je te parle du comportement d'Armani ici. Tu es toujours en train de le défendre. Le voilà que j'appelle. Il ne décroche pas. Et même quand il me répond, il me balance des messages banals. Du genre, je te rappelle. Et puis, il ne me rappelle pas. Ouais, maman, pour si peu. N'est-ce pas, dernièrement, on a parlé de ça, que ça peut arriver. Soit il a peut-être un problème de réseau ou, je sais pas, peut-être il est occupé. Est-ce que je suis d'abord rassurée s'il est dans la ville? Honnêtement,
Je suis à bout. Je suis à bout. Je ne sais plus quoi faire. Avec lui, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, calme-toi, bébé. Il t'a demandé d'arrêter de stresser aussi peu. Et c'est pour ça que tu restes comme ça, enfermé dans la maison. Comme s'il y avait un problème grave. La dernière fois, tu as eu des problèmes de cœur à cause de ça. Parce que tu es en train de stresser pour rien. Oh. Calme-toi. T'inquiète pas, je viens te remonter le moral. Attends. Tu fais quoi? T'as dit calme-toi. Et observe seulement. Il se passe quoi entre double T et toi? Ouais. Sois posé, bébé. Sois posé, j'ai pas confiance. Voilà. Ok. C'est-à-dire que quand je viens là, c'est pour prendre soin de toi. Moi, je veux même pas les mines serrées que tu as ici. En passant, même tu as mal quoi le matin. Je n'ai pas faim. Tu n'as pas. Ça veut dire quoi? C'est même quoi avec le pyjama à 11h? Adam va prendre un bain. Donc dès que je reviens, elle trouve que tu es prête pour manger. S'il vous plaît, c'est du volet, c'est ça? Ouais, donnez-moi la même chose, s'il vous plaît. Je peux quand même boire les bonnes choses et puis... Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'avais l'air un peu... C'était urgent au téléphone, là. Moi, j'avais mes choses à faire. Hein. J'avais encore des petits cas gérés au bureau, là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non. Rien d'important. C'est juste qu'il fallait que je te mette au courant d'une petite situation, là. J'allais dire, tu ne veux pas t'aider. Non, non, non. Pas de nouveau partenaire. Merci. Je vais voir Malia ce soir. Attends. Vous avez décidé de faire les enfants? Non, sérieux. Parce que c'est pas la première fois que tu te vois avec elle. Et au point où tu m'appelles, je te rappelle que j'avais affaire au bureau. Je pense qu'on est à la fin là. C'est fini. J'ai mené tous les combats. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Mais là... Je pense qu'on est... Il n'y a plus rien à faire. Non, malheureusement. Tu sais, je fais partie de ceux-là qui pensaient que toi et Maria, c'était le couple idéal. Et vous nous avez fait rêver. C'était si beau de vous voir ensemble.
Et si tu arrives à prendre une telle décision, ça veut dire que tu as mûrement réfléchi. Parce que tu es une grande personne. Je t'ai dit ça la dernière fois et je te le dis chaque fois. Tu es une très bonne personne. Frère, je soutiens ta décision. C'est vrai que ça serait magnifique de vous revoir ensemble, mais je serai toujours là pour toi, mon frère. Tu es mon ami, tu as toujours été là et je serai toujours là pour toi. D'accord. En tout cas, le prix du cacao a augmenté, donc tu vas quand même te sucrer. C'est même déjà combien là? Je te rappelle que c'est le dernier paquet que je te fais. Je ne veux plus de ton chantage. Même l'amour que j'avais pour toi, c'est mort. Donc je ne veux plus entendre parler. Bon, moi maintenant je t'aime, tu t'aimes déjà. On fait comment? Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Et c'est la toute dernière fois que tu m'écris. Je ne veux plus entendre, je ne veux plus voir tes appels, ni suivre un seul message dans mon téléphone. Il y a quoi à fouiller ma vie? Il y a quoi à me faire chantage tous les jours? Rigochou, bonne journée. Tia, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. J'ai dit ne m'écris plus. Ne m'appelle plus. Tu sens d'où avec tout ça. Ah, ok. Je t'ai dit qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale. Tellement de merci, j'ai eu tout à l'heure. Donc, tada! Bon. Il y a tellement de choses. On peut commencer par quoi? Non, pas toi. Ça là. Je connais quand même les bienfaits du chocolat. Non? Quand tu ne peux reconnaître, donc gaffe dans le cacao. Bon. Tiens, madame. Ok. Bon. Comment ça ne te plaît pas? Ouais, bébé. Tu vas le rester toute une journée sans rien mettre dans la bouche. On vient faire ceci pour rien alors. S'il te plaît, essaie de manger. Tiens, essaie de manger s'il te plaît. Donc toi, tu veux se manger de nourrice comme un bébé. Tu es toujours sur la même position, je suis même partie sur aujourd'hui, tu as toujours le même vêtement, je n'ai même pas pris ton bain. En tout cas, finis de manger, tu prends ton bain, je te prépare une bonne nourriture. Je dis qu'aujourd'hui, là, non, tu vas manger, c'est ce que là, non, tu vas nous te sortir hors du nez. Je te jure. Mange. C'est qu'elle fait tout ça pour toi, hein. Pour que tu te sentes bien. Elle t'a dit qu'on ne stresse pas. C'est qu'elle est sûre. Il y a forcément une raison. On ne se passe même pas.
Donc voilà que tu me laisses marier ça seule. Tu ne m'accompagnes même pas. Je sens que j'ai vraiment besoin de miracles aujourd'hui. S'il vous plaît, votre patron est là. Bonjour madame. Mais voilà sa voiture, non? Vous ne pensez pas quand même que c'est arrivé là seul. C'est bon, le voilà. Bonjour bébé. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute Sango, j'ai longuement réfléchi par rapport à notre dernière discussion et... Tu appelles ça discussion? Je t'avais à peine dit ce que j'avais et tu es resté postré comme ça. L'instant d'après, tu es parti. Tu appelles ça une discussion? C'était tout sauf une discussion, ça va. Bébé, justement, c'est pour ça que je suis là. Je te prie de pardonner mon attitude, s'il te plaît. J'ai agi sans réfléchir et je souhaite que toi et moi, on recommence sur de nouvelles bases. Tu sais quoi? Si je te dis que je suis partant pour me remettre avec toi, c'est que je te mens. Bébé, s'il te plaît, donnons-nous une dernière chance, s'il te plaît. On en reparle une autre fois, Sarah. Et tu vas où? Tu m'avais pourtant dit la dernière fois que ça n'avait rien à voir avec notre relation. Donc tu m'as menti. Je t'ai pas menti. Je t'ai dit que ça n'avait rien à voir avec nous, avec toi, avec moi, avec les sentiments que l'on peut avoir l'un pour l'autre. Il s'agit d'une réalité qui est un peu au-dessus de ce que je peux combattre. Donc ta mère a gagné. C'est pas une compétition, Malia. À la fin de la journée, on cherche pas qui est le gagnant, qui est le perdant. Attends. Et qui? Donc tu me bats. Tu es une belle femme. Tu es une très belle femme. Au-delà d'être belle, tu as aussi une belle âme. Quand je te dis que je voulais que tu m'épouses, j'étais sincère. Comme je l'ai toujours été avec toi. Je ne t'ai jamais menti. En ce qui concerne mes sentiments, en ce qui concerne notre relation, quand je te dis que je voulais t'épouser, je le voulais vraiment. Maintenant, ma mère a ses positions. Et il y a certaines choses, certaines situations dans la vie que vaudrait mieux pas essayer pour en voir les conséquences. Je te souhaite. Enfin, je me souhaite de connaître à nouveau l'amour. Tu le mérites tellement. Tu es quelqu'un de bien. Et tu mérites quelqu'un de bien. Je souhaite de tomber sur quelqu'un qui aura un peu plus de force que moi pour te défendre, pour te protéger.
frais de tomber sur quelqu'un qui saura te donner ce que moi j'ai pas pu te donner. J'aimerais surtout que tu saches que je t'ai aimé. Je t'ai vraiment aimé.